Connaissez-vous la rosalie des Alpes? Cet insecte spectaculaire ne peut être confondu avec aucun autre. Son corps, couvert d'un duvet bleu cendré, contraste avec les larges taches noires veloutées qui maculent les élytres. Ce joyau de la faune européenne, d'une taille moyenne de 3 cm, possède en plus de remarquables antennes ornées de houppes de poils sombres. Principaux organes de l'odorat, elles sont dès lors particulièrement soigné. Les adultes se nourrissent peu, leur durée de vie n'étant que de quelques semaines. Ils sont notamment attirés par la sève qui s'écoule des troncs. Remarquez le travail des pièces buccales pour favoriser la prise du liquide, suivi d'un nettoyage minutieux des pattes antérieures. Après un bref combat d'intimidation, l'un des mâles s'empresse de rejoindre une femelle qui s'est posée sur le tronc qu'il défendait. Suit alors l'accouplement, durant lequel les organes génitaux apparaissent de manière spectaculaire. Moment rare, ô combien important pour la perpétuation de ce magnifique collège. Durant la ponte, la femelle dépose ses œufs dans les microfissures du bois à l'aide de son ovipositeur. Mais dérangée par la présence d'un nouveau conquérant, elle ne pourra pour l'instant terminer sa tâche. Chez nous, dans le Jura suisse, la rosalie des Alpes est liée au hêtre où elle peut s'alimenter de son feuillage ou profiter d'une goutte de rosée bienvenue. Et c'est dans le bois de hêtre que les larves vont se développer pendant 3 ou 4 ans avant que les adultes n'émergent au début de l'été. La rosalie des Alpes occupe le plus souvent les vieilles étraies des pentes exposées au sud et les arbres morts bien ensoleillés lui sont particulièrement favorables. Mais elle reste à la merci de ses ennemis naturels. En effet, les larves sont attaquées par divers champignons et guêpes parasites alors que les adultes s'ajoutent au menu des pics. Jadis, le plus beau coléoptère d'Europe était systématiquement capturé et naturalisé. Mais aujourd'hui, le plus grand danger provient des stères de hêtre stockés en forêt durant l'été et dans lesquels la femelle dépose ses œufs. Et dans ce bois fendu, les larves ne pourront se développer ou finiront leur vie prématurément dans une cheminée. Par sa beauté et son élégance, la rosalie des Alpes fait partie des espèces emblématiques. Protégée et classée parmi les espèces prioritaires de l'Union européenne, elle mérite des mesures efficaces pour empêcher ainsi son extinction.